Alors, comment se passe l'entraînement? Moi, j'ai fait quelques courses, rien de passionnant. Même chose pour moi. J'imagine que c'est normal. Je pensais que ça venait de moi. Je me demande si ça n'est pas voulu, histoire qu'on ne devienne pas trop puissant. Et pourquoi ça? Eh bien, Kyle ne semble pas vouloir exploiter mes talents. Quand j'étais en mission avec lui, il ne me laissait rien faire d'important. Peut-être qu'il vous observe pour voir ce que vous savez faire. Je ne m'en ferai pas à votre place. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, Jaden? Eh bien, je... On y retourne. J'ai interrompu une conversation. Non, pas du tout. Je suis prêt. Allons-y. Ça devrait être du gâteau, mais cela vous donnera l'occasion d'apprendre l'art de la négociation. En route pour Tatooine. Des Jawa, jamais là au bon moment. Une piste. Ils ont peut-être déjà fait l'aller-retour. Voyez si vous trouvez leur char des sables. Ils ont pu s'arrêter dans ce canyon. Je vais parler aux fermiers, voir s'ils savent quelque chose sur ce culte. D'accord. Ne vous inquiétez pas, les Jawa sont plutôt sympas. Yeah!
Pas par ici. Cherchons. Je suis touché. Je suis touché.
lâcher! Les bons Jawa. Je peux aller là-haut.
comment faire pour descendre. Le droïde que nous cherchons. Mais on dirait qu'il ne reste plus de Jawa pour négocier. Vous feriez bien de me suivre, alors. Je commençais à m'inquiéter. Des ennuis ? Non, à part quelques hommes des sables rencontrés. Bien, vous êtes indemne. Vous avez donc dû bien vous débrouiller. Ramenons ce droïde à l'académie. Au travail, Jaden. Kyle m'a dit que c'est vous qui aviez récupéré le droïde. C'est dommage pour les Jawa. R devait extraire la mémoire du droïde et voir les infos qu'on en tire. Ça devient inquiétant. Nous avons reçu de nombreux rapports sur un culte Sith, les disciples de Ragnos, qui semblent se répandre dans toute la galaxie. Il paraît même que certains disciples ont un sabre laser.